Solidarité entre les générations, économie circulaire ou encore action sur le prix du carburant. Pour développer les circuits courts, la production locale et donc agir sur les prix à la consommation. La conférence de rentrée de Femmes Ouagourtzigas s'est transformée en promotion du volet social de leur projet sociétal. La crise des gilets jaunes a sans aucun doute accentué, voire accéléré, la déclinaison de leurs propositions. Ils les veulent concrètes, mais disent aussi la nécessité d'obtenir, selon eux, des réformes institutionnelles. Le statut d'autonomie que nous revendiquons est l'outil le plus pertinent pour donner des réponses concrètes, puisque les gens veulent du concret, et donc c'est notre rôle. On ne se cache pas derrière les institutions, mais il faut bien à un moment donné expliciter là où nous pourrions avoir un levier et là où nous ne l'avons pas. Mais pour porter cette parole, Femmes Ouagourtzigas a besoin de se structurer territorialement. Car si Femmes existait en tant que plateforme de rassemblement, le parti, lui, a à peine un mois d'existence. Un parti né sans l'un de ses partenaires historiques, le PNC. Les porte-paroles de FEMO, soutien naturel de la majorité territoriale, demandent à celle-ci de passer à la vitesse supérieure en matière de décisions concrètes. Une manière sans doute de répondre aux critiques des autres nationalistes qui seront peut-être aussi pris de court avec cette proposition. Il faut que nous créions ici, avec les forces économiques et sociales, avec les membres de la majorité bien sûr, les conditions d'une grande mobilisation populaire. Aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait rentrer dans le printemps alors que le mouvement perdure, alors que les réponses apportées ne sont loin d'être satisfaisantes de manière globale et concernant la Corse par le président de la République et son gouvernement, comment nous pourrions passer à côté de manifestations démocratiques, populaires importantes pour justement se joindre aux mobilisations en cours. Pour Femmes Ouagourtzigas, ne pas participer au débat actuel serait une faute pour les nationalistes. Ils le voient comme une occasion de remettre dans le jeu politique leur volonté d'autonomie. Thank you.